on va la détruire et puis ce sera fini, on aura gagné, nous aurons remporté notre victoire. La dernière victoire pour le Caire. La première surtout. Chargez. Oh. Il devrait déjà fuir là. Soldats en avant. Voilà, c'est bon, on a gagné. C'est la victoire, messieurs, dames. C'est la victoire. Eh bien, salut tout le monde, c'est Easy Belgian, comment allez-vous? Eh bien, moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve encore, et oui, me direz-vous, pour une vidéo sur Napoléon Total War. Troisième épisode de la campagne d'Égypte. Nous venions de prendre le Caire, par contre, nous avions perdu Damanhur. Nous étions toujours Alexandrie, bien sûr, car c'est notre capitale. Nous sommes vraiment embourbés dans une guerre contre les Mamelouks et c'est pas génial. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller libérer les Amériques. Enfin, je vais essayer d'aller libérer les Amériques. Je vais recruter même un général. Mon meilleur général. Lui, il coûte 1300. Est-ce qu'il est meilleur? Maître canonnier. Oui, sauf que j'aurais pas d'artillerie, moi. Un bon cavalier, non. Général attaquant, je pense que je vais quand même prendre Auguste Marmont comme général pour attaquer Chypre. Voilà. Et je dois faire un recrutement. Ah, je peux pas recruter de canon. Ah oui, parce que là, je pense pas que j'ai de fonderie. La construction de collèges et d'universités permet la recherche de nouvelles technologies et d'idées qui pourraient maintenir votre nation devant ses rivaux. Tout en produisant des gentilshommes ou des érudits pour la recherche, ces bâtiments offrent également l'effet résiduel d'éduquer les masses. Cela peut cependant s'avérer négatif si ce n'est pas soigneusement géré. Des gens avec des idées au-dessus de leur rang peuvent créer de l'agitation. Tais-toi. Voilà, parce que je ne trouvais pas comment la taire. Donc je vais envoyer mon artillerie à Alexandrie afin de pouvoir attaquer Chypre. Ce qui ne va pas m'empêcher d'en recruter de l'artillerie au Caire. Et oui, car bientôt je vais pouvoir exterminer tous ces mamelouks. Parce que j'aurai recruté suffisamment de miliciens pour protéger le Caire et la région de Caliérubia. Car nous allons sûrement gagner, mesdames et messieurs, parce que je dois gagner pour vous. Et oui, je dois gagner pour vous. Oh non, il m'attaque mes artilleurs. Me fouiller. Non, pas par là. Pas par là. Oh non. Victoire. Ah bon, chouette. D'accord. Non, il fait le siège. Oh non, c'est une petite bataille, j'ai gagné d'office. Hein. Non, si je recommence à faire toutes les batailles, on n'est pas sorti de l'auberge. La rébellion a été matée par ses meneurs, néanmoins, leur bien a été confisqué. Tous les citoyens du Caire ont reçu l'ordre de payer une amende. Si cela remplit nos coffres, nous en retiendrons surtout que nous devons rester vigilants et qu'aucune autre insurrection ne se reproduise. Ok. Mon canonnier, dépêchez-vous vite d'aller à Alexandrie. Voilà. Parce que dans un tour, moi je m'en vais. Hein. Ça. D'ailleurs, je vais recruter de l'infanterie de ligne ici. Hop. Et de la cavalerie. Voilà, voilà, voilà. Alors, au Caire. Bon, est-ce que j'ai déjà une armée de miliciens assez importante? Non, pas assez importante. Et puis mes soldats, ils doivent se soigner, donc... ils m'embêtent vraiment, le Mamelouk. Hein. Bon, je passe mon tour. Au tour prochain, je pars à Chypre. Vous allez voir, ça va péter. Vous allez voir, je vais tous les exterminer. Moi, ils vont... Parce que là, je n'ai plus aucune révolte Mamelouk. Plus aucun Mamelouk du tout. Hein. Je suis contre. C'est vraiment honteux, parce que les Mamelouks... Il m'énerve, mais il m'énerve. Il m'attaque tout le temps, il me... Je vais lancer une série ici. En plus mes canons ils sont pas complets. Embêtant ça. Bon. Si j'envoie toute une armée sur un aviso. J'ai peur qu'ils se fassent dégommer. De toute façon ils peuvent pas partir maintenant. Ils vont attendre là. J'ai pas confiance, si j'envoie toute une flotte. J'enregistrerai avant. Je ferai une sauvegarde avant de prendre le bateau. Si ça rate, je ne couperai pas l'enregistrement, mais si ça rate, je reprendrai mon ancienne sauvegarde. C'est un peu triché, mais ce serait bête de perdre une armée et de perdre la bataille. Donc je vais enregistrer. Sauvegardons. JVM, enregistrement. Voilà. Donc voilà, mon frappe s'est coupé juste après l'enregistrement, je ne sais pas pour quelle raison, donc voilà, je reprends. Donc j'allais donc envoyer mon armée à Chypre.
Mais je me suis dit, pff, une armée, ça me semble un peu peu. Alors, je vais recruter un deuxième bateau et je vais recruter encore plus de soldats. Non, pas de la milice, ça sert à rien la milice. Qu'est-ce qui a le plus de morale? Vous avez 7 de morale. Et vous avez 7 de morale. Vous avez 7, 10, 9, 7. 7, 10, 9, 7. Et vous avez 7, 12, 9, 7. Pour coller 10 de plus, je vais acheter plein de gens comme ça. Ben, plein de gens comme ça. Un maximum, quoi. Alors, ici. Recevoir vos ordres. Alors, ah oui, ici, alors. Ce que je vais faire, c'est que mon armée de Napoléon, elle va quitter la ville. Voilà. Monsieur, vos ordres. C'est, attendez, attendez. Ah non, je me suis trompé, ok, d'accord. Bon. J'ai fait sortir qui alors? Monsieur. Ah d'accord, je vais sortir un chasseur. Bon. Donc mon armée, tout entière, elle s'en va. Autre chose. Ma milice rentre marché dans la ville. Monsieur. Napoléon, il va exterminer pour une bonne fois les rebelles. Ligne de bataille. Oh, qu'est-ce que c'est que ce vieux détour? Tiens, il y a une ville là. Je m'en fous de l'eau. Oh non, moi je voulais pas aller là-bas. Quelle arnaque. Et puis après j'irai à Chypre. Votre humble serviteur. Mais je vais déjà. Prêt à je vais recevoir vos déjà ordres. Rajouter un des soldats ici. Hop. Homme, monsieur, voilà. Et je vais déjà les mettre dans le port. Ça c'est déjà fait. Et à la limite, je vais recruter un autre général après. Bon, passe le coup. Parce que bon, j'ai pas envie de que mon armée se fasse dégommer. Ville assiégée, le Caire. Mais bien sûr, c'est logique. Le recrutement finit dans un tour, c'est parfait. Et c'est recrutage. Ah non, je ne gagne plus d'argent. Ah, ça m'embête ça. En même temps, ce gogol là-haut. Votre humble serviteur. Bon, Michel, tu te ramènes ici. D'accord. Autre chose. Voilà. Et voilà, il fuit. Et après, tu vas le poursuivre. Compris? Bon. Après, il va falloir quand même essayer de gagner un peu plus d'argent parce que ça ne va pas, ça. Fin du tour. Pff, je le sens pas, je la sens pas du tout cette partie. Allez, il va revenir. Pff, quel connard. Enfin, bon, je l'insulte, mais voilà quoi. Tout en étant amical, hein. On va recruter des bédouins. Trois bédouins. En espérant juste qu'ils ne m'attaquent pas. Et là, mon bateau, il sera prêt dans un tour. Bon, ben, vous allez rester là. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça, j'aurai une armée et une demi-armée. Enfin, pardon. Et, trois, enfin, et un deux cinquièmes d'armée. Donc, ça devrait le faire. Et je ne gagne plus d'argent du tout. Il faut absolument que j'y aille. En attente de vos ordres. Alors, vous rentrez déjà dans un des bateaux. Oui, vous rentrez dedans. Attendez, 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 attendez. L'armée, elle rentre dans un bateau. Hop, elle rentre dedans. Voilà. En avant, vous marchez, votre humble serviteur. Rentrez là et vous rentrez aussi dans les bateaux. Ah non, je sais, attendez. Un blocus est un cordon de navire voilà. Utilisé pour empêcher l'ennemi de commercer en avec route, un port ou de déplacer toute flotte basée dans ce dernier. Voilà, vous rentrez vous dans le bateau. Vous pouvez bloquer un port avec un clic droit dessus. Oh, toi t'es tout. Ferez... Bon. Voilà. Voilà, mon armée est ok. Voilà, ils se multiplient. Ah non, ils peuvent pas se multiplier. Mais ils vont y aller à deux, tiens. Quelle direction, Captain? Hop, vous allez tous les deux à Chypre. Vous débarquez ici. Trois tours, ce sera bon. Bon, une grande armée et une moins grande. C'est parfait. Voilà. End of tower or... you can't... Ah si, you can. You go here, so... Plus de taux de résolution, ça ne fait pas de mal. C'est déjà fait de gagner. Non, mais pourquoi est-ce qu'il est pas mort? Vous dépensez trop d'argent à l'entretien de vos forces armées, vide vos coffres. À moins que vous n'augmentiez vos impôts et dispersiez vos unités superflues, la banqueroute sera sans ligne. Oui, je finis ce tour. Même si j'ai banqueroute, je m'en fous. Je m'en fous, je dois aller à Chypre. J'attaque les Chypriotes et j'ai gagné. Mais je veux pas faire banqueroute. Allez, j'ai fait banqueroute.
C'est vraiment la honte d'avoir fait banqueroute. Préparez les troupes pour la bataille. Allez, arrête de fuir. Écrasez-les complètement. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Nous avons triomphé. Marchez. Je peux savoir pourquoi ça... L'idée ne se reconstitue pas. Je sais pas pourquoi. Dans le Marchez. Désert peut-être. Ah ouais, c'était le désert. Bon, déjà ici, il n'y a plus de rebelles. De rebelles. C'est déjà ça de gagner. Par contre, le fait que je n'ai plus d'argent, je m'en fous, banqueroute, je le sais bien. Je le sais bien que j'ai fait banqueroute, mais je peux rien faire. Il y a mes deux bateaux qui avancent tranquillement. Au prochain tour, ils seront à Chypre. Et au prochain tour, nous gagnerons. Hop. On débarque. Hop. On débarque. Solidement arrimé, capitaine. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les deux bateaux ils peuvent pas s'accoupler, non. Napo. C'est réparé ça. Ah non, ça coûte trop cher. 750. Bon. En avant, marchez. Autre chose. Tu vas attendre ici, Napoléon. Oui, je sais, banqueroute, je sais, j'ai pas le choix, je peux rien faire. Je prends Chypre et puis ça ira beaucoup mieux. Préparez-vous pour l'abordage. Ouais, bon, ben, fouille, hein. Retraite. L'ennemi droit devant. Retraite. Entrons chez nous. Arrivez à voilà. Destination. Bon, en GB. Enfin, en Grande-Bretagne. Enfin, à Chypre, surtout. Non. Qu'est-ce qui vient m'attaquer? Je lui ai rien fait. Armée sabotée. Oh non, il a saboté mon armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quelle arnaque. Prêt à recevoir vos ordres? À vos ordres. Pourquoi est-ce qu'il peut pas bouger? Tenez-vous prêt. Ah, parce qu'il a été saboté. Prêt. Mais vous avancez pas. Je vais pas vous voir avancer. Ah, enfin si, parce que c'est la banqueroute. Je suis obligé. On t'avance jusque là alors. Marchez. Non, replie-toi. Immédiatement. Ouais, t'avances là, c'est parfait. Je sais bien qu'il y a la banqueroute, alors tais-toi. Allez, il y a les bédouins qui m'attaquent aussi. Votre humble serviteur. Pff, tu vas là-bas. Pour la couronne et le pays. Ouh, il y a beaucoup de soldats. Ouh là 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 là. En avant. J'ai pas envie de faire la bataille. J'ai envie de faire une auto-résolution. Attaquez. En même temps, si je fais l'auto-résolution, j'ai plus de chances de perdre. Sauvegardons. J'y vais mon enregistrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, oui, j'ai enregistré, puis après ça... Enfin, soit. À l'attaque. Je le sens pas. En avant. On est obligé, j'ai pas du tout envie de faire la bataille parce que je fais plein de batailles avant, des batailles en ligne et tout ça, et j'en ai un peu marre de faire des batailles. Mais bon, tant pis. Mais ce qui est bien, c'est que je vais avoir des renforts. Et vous avez vu, les stats là disent que je vais perdre. C'est parce que j'ai fait banqueroute, ça c'est pas bon, ça m'ennuie, j'ai pas fait une bonne partie. Je suis concentré, oui, pardon, j'ai laissé un blanc là, mais c'est parce que j'étais concentré, j'imaginais déjà le plan d'attaque que j'allais faire. Pardonnez-moi tout de suite, c'est impardonnable, je mérite de mourir. Alors dites-moi, ils sont placés juste devant nous comme ceci. Si je veux pas me faire exterminer comme une vieille merde, je vais devoir utiliser une technique de gros campeur. Mais bon, c'est pour l'honneur, alors on a le droit. Hein. Attendez, est-ce qu'ils sont bien placés là? Qui est pelpeto. Mes chasseurs, le seul inconvénient c'est que tout le monde soit blessé parce qu'il y a la banqueroute. Enfin, personne ne soit en entier quoi. Regardez, ils sont plus payés, ils ont plus rien. C'est la merde quoi. Non, ceux-là je vais pas les placer là. Voilà les 64 ici. Perfetto, perfetto. Je sais pas du tout comment placer. Bon, mes fusils de ligne d'office, ils vont se mettre ici parce qu'ils sont assez forts.
Ah, ils sont pas bien mis là, comme ceci. Là, comme ça. Vous allez voir ma super technique. Vous allez pouvoir admirer The Technique of the World. Si vous faites ça en ligne, vous êtes pratiquement sûr à tous les coups de gagner. Enfin, non, en fait, moi j'ai toujours perdu quand j'ai fait cette technique. Mais c'est parce que mon ami ne l'a pas utilisé non plus, donc on n'était pas synchro. Mais là, vu que je suis tout seul, ça peut le faire. Ensuite. Ok, bon. Ensuite, quelques unités ici, comme ça. Hop. Voilà. Avec une unité supplémentaire. De chasseurs, ici. Hop. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il me reste? Mon général, il vient ici. Avec... les dromadaires devant pour le protéger. Là il me reste de l'infanterie de ligne. Elle va se mettre devant là. Voilà. Si, parce que ça, celle-là, elle va se positionner après, elle va se mettre par-dessus tout le monde. Commençons la bataille. Déjà lui, j'espère qu'il va pas. Il va pas camper comme un porc. Comme moi, quoi. Je vais avancer un petit peu. Faire une petite avance rapide. Vous avez vu, donc moi ça fait une sorte de trapèze, de triangle. Normalement ça aurait dû faire un triangle, mais c'est une sorte de trapèze. Et c'est très efficace parce que les ennemis auront beaucoup de mal à le percer, surtout la cavalerie. Et je protège tous mes flancs. Et que font mes renforts, ça je ne sais pas du tout, mais en tout cas ils ne sont pas encore là. Et les renforts de l'ennemi non plus. Ce serait bien que les deux renforts, ça s'annule. Et qu'il n'y ait pas de renforts. Ah si, si, c'est bon, je vois les renforts. Anglais qui arrive. C'est au même attaque. Bon, je suis pas fort confiant. Hein. Pas confiant du tout même. Bon, tu passes direct en boîte à mitraille, s'il te plaît, Bobby. Vous vous tirez pas dedans, hein. Non, ça, je veux pas vous tirer dedans. Attendez, je coupe l'enregistrement. Petite transition quand les ennemis seront en portée de tir parce que l'avance rapide fait tout laguer. Et voilà. Voilà, nous repassons en mode normal. Donc voilà, sa cavalerie va m'attaquer. Faut vite tirer, faut vite tirer, faut vite tirer. Vite, 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 avant qu'il nous atteigne. Non, il nous a atteint. Il nous a atteint, le petit cochon. Bon, mon général couvre tout le monde, là. C'est parfait. Ça qui est bien, parce que le général, il aide tout le monde. Et... non, voilà, non, 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 non. Non, 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 après, ils s'en vont, là. Toi, reprends le contrôle de ton canon. Ah, vous êtes pas... si, vous êtes assez pour le canon. Pourquoi vous reprenez pas le contrôle des canons? Tu m'expliques? Le canon est prêt, monsieur. Bougez, bougez, bougez. Voilà, toi. Tu vas reprendre le contrôle de ton canon. Toi, tu vas reprendre le contrôle de ton canon aussi. Toi, tu vas reprendre aussi le contrôle de ton canon. Voilà. Lancez des ordres. Tu vas reprendre le contrôle de ton canon, toi. Bon, voilà. Voilà, on est prêt. On est encore prêt à les attendre. On est passé en boîte à mitraille, là, sa cavalerie va encore nous charger. Je sais pas ce que font mes renforts, en tout cas, ils ont pas l'air de se montrer. C'est pas bon signe. Préparez au feu. Tirez. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, ouais. C'est sûr. Bam, allez, dans ta face, il s'appelle comment? Sidney Smith. Ok, chouette. Ah, mes chasseurs là, je vais les mettre ici parce qu'il a l'air d'arriver facilement à percer mes flancs. Enfin non, justement, les chasseurs, je vais les laisser là. Par contre, ces unités là, je vais mettre en renfort, voilà. Là, je vais les mettre en renfort comme ça. Plus grande couverture, on tient pas. Hop, 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 hop. Voilà, j'ai un régiment qui fout rien.
Oui, il est bien, il est bien. Pourquoi tu tires là, toi? Ils sont pas mal, hein. Les renforts, mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne dis pas que c'est parce qu'ils sont pas payés, hein. Moi, je le croirais pas. Je serais bien dans la merde. Oui, monsieur. À vos ordres. Parez au feu, parez au feu. Voilà, c'est bien, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On les met en retraite avant même qu'ils n'aient pu nous percer. Voilà. Là, ils sont en section générale, c'est bien, ça. Bon, tous les canonniers, ils vont... Non, repassons notre boulet. Et tirer sur son général. Monsieur, tu es son général, c'est ce que je vous demande. Tu es son général. Prêt, monsieur. Parfait, parfait. Repassons boîte à mitraille, ils arrivent dans votre portée. Ou pas. Repassons les boulets. Allez, on peut le faire. Allez, on va y arriver. Y a pas de raison qu'on y arrive. Maintenant, là, tu peux passer en mitraille. Voilà. Bon, là, il va encore mettre quelque chose avec sa cavalerie. Chypre, c'est vrai que c'est quand même assez hard à prendre. J'aurais dû venir avec Napo. Mes renforts. Tirez, tout le monde tire. Feu croisé. Allez, non, on n'arrive pas à l'arrêter. Monsieur. Monsieur. Attention, ils vont nous approcher. Par contre là mes chasseurs ils sont pas vraiment... Bon, repliez-vous un petit peu chasseur. Parce que j'ai peur de manquer de munitions. C'est vrai que c'est plus que probable que je manque de munitions. Bon, je vais demander un renfort de chasseurs ici. Parce qu'on en a vraiment besoin, il attaque plus sur ce flanc que sur l'autre. Et je vais aussi demander à ces bédouins là de se mettre comme ça. Voilà. Là, le régiment qui fait rien, il se met bien derrière comme il faut. Et là, le régiment de chasseurs, il va se mettre sur la montagne. Enfin, sur la montagne, sur la petite colline. Monsieur, il nous réattaque. Arrêtez-le. Allez, arrêtez-le, quoi. Ah voilà, mais ça va commencer à arriver maintenant, non? Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'ils font là, les enfants? Mon Dieu. Canon y est tiré. Il n'y a plus qu'un canon qui est en bon état. Tuez son général. C'est bon, là, mes chasseurs qui sont arrivés sur le haut de la montagne. C'est parfait. Vous là, vous mettez comme ceci. Là, regardez, on est en train de les encercler. Enfin, l'encercler c'est encore un grand mot, mais... On y est presque. C'est quoi l'unité qu'il y a là? Un canon. Enfin, ça n'avance pas vite. Je vais peut-être même essayer d'envoyer mes dromadaires pour le neutraliser. Y a pas d'unité. Ah si, zut. Ça, vite, dépêche-toi justement le dromadaire, dépêche-toi. Si
t'arrives à temps, mec, t'es notre héros. T'arriveras à détruire son artillerie. Ça serait génial. Non, il va vouloir. Non, pas contre mes chameaux, hein. Non, mes chameaux, ils t'ont rien fait. Chameau, cassez-vous, enfin dromadaire, cassez-vous. J'ai demandé d'aller détruire ça là-bas. Voilà. Oh, il faut s'en remettre là parce qu'on est pas bien. Parce qu'on s'était mis pour les encercler eux, mais maintenant que les autres arrivent, on faut se repositionner. Parfait. Mes renforts, qu'est-ce qu'ils font, mon dieu? Vous croyez qu'ils arrivent après ces renforts à lui par la même route? Je sais pas. En tout cas, je vais accélérer, on se retrouve dès que j'ai fini d'accélérer. Et me revoilà, donc son armée vient de... Enfin, ses renforts viennent d'arriver, et son armée commence à m'attaquer tout doucement. Enfin, m'attaquer, elle bouge, quoi, mais... Elle va m'attaquer, quoi, c'est sûr. Et donc, j'ai un petit peu peur parce que ils ont beaucoup de soldats quand même. Et moi j'en ai pas autant. Ça m'inquiète un petit peu de 1 et ouais, je suis un peu inquiet quand même. Parce que mes renforts à moi qui n'arrivent pas, j'espère qu'ils arriveront après par le même chemin. Ah non, il a son artillerie qui me fait feu dessus en plus. Ça c'est pas bon non plus. Infanterie. Faut faire des belles lignes. Eux là, je vais les garder en renfort, on sait jamais, ils peuvent toujours servir. Enfin, je vais plutôt les mettre là, comme ceci. Parce que c'est très important de faire des belles lignes. C'est une des bases. Mais eux, je crois, parce que depuis tout à l'heure, leur morale, il est mitigé. Enfin, ils sont 50 sur 52, et morale en hausse, force locale supérieure. Ils sont frais. Et je comprends pas pourquoi alors ils sont si mal. Je sais pas. Dépêchez-vous, soldats. En position. L'affrontement ultime. The last fight. Notre général est au combat. Ouais, arrête-toi, mon dromadaire, enfin mon chameau. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Déjà, où ça? En même temps, quand tu vois le nombre de soldats avec quoi ils se ramènent dans la bataille, c'est quand même un petit peu déséquilibré, je trouve. Donc, les lombards, enfin les chasseurs, ils se dépêchent. Je rallie tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, mes renforts! Nos hommes battent en retraite, monsieur! Mes renforts, alléluia! Mes renforts! Si on arrive à tenir. Oh, trop bien ça. Avancez. Attends, ils vont être. Oh merde. Vite, en position. Vas-y. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Oh non, les soldats. Attends, tu peux t'occuper de son artillerie. Non, ça va être chaud. Vas-y, pète-le. Non, y'a tout le monde qui fouille. Non, merde. Tout le monde qui fouille. L'unité tout entière a péri, monsieur. C'est pas grave. T'en mourras pas.
feu, vous, au moins. Oh putain, il faut. Il faut vraiment feu. Oh mon dieu. En général, ici. Dromadaire, pareil. Dromadaire ou chameau, j'oublie tout le temps. Dromadaire. Putain, cavalier, c'est trop fort. Il se déchire. Nos hommes battent en retraite, ouais, monsieur. Il m'a mis en déroute de cette unité. Je suis fier de moi. Là, le front est complètement inversé. Le front est complètement inversé. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, des chasseurs. Oh, c'est bon, ça. Ok, parfait. Ce que j'ai peur, c'est vraiment de manquer de munitions. Ça va arriver. C'est plus tard. Ça va arriver même plus vite qu'on ne le pense, surtout pour cette unité de 38. En position, position, position. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. Déjà. Toi aussi t'es à court de munitions. Un autre temps encore un petit peu. Toi par contre on a plus du tout. On fonce dedans. Oh nos renforts. C'est bien que le renfort arrive au dernier. C'est mieux je trouve parce que comme ça il y a ombre. On a encore du 109 avec plus de munitions. C'est mieux. Et elle tient bon cette unité. Ah, ceux-là aussi. Ceux-là aussi, ils ont plus de munitions. On se dit. Voilà, c'est pas bon. Mon général, on a besoin de vous là-bas. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Tire-toi au moins. Non, il tire pas. Non, vous repliez pas. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Toute mon armée qui arrive, alléluia. Messieurs, nous sommes chanceux. Nos renforts arrivent pile au bon moment. Je vais les faire courir pour qu'ils arrivent plus vite. Faudrait que je fasse traverser mon général de l'autre côté. Chasseur, t'en es bon. Toi aussi ici, tiens bon. Bon, c'est bon, tu peux le faire. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ils sont un peu fatigués. Ouais. C'est bon, il y a le général qui arrive. Ça va, on est en train de gagner. Enfin, non, on perd en fait. Mais c'est pas grave. Bon, toi, t'es notre dernier espoir, Michel. Tu meurs pas, ok. Je tire bon coûte que coûte. C'est pas en position défensive en plus. C'est pas en position défensive, s'il vous plaît. C'est bon là, regardez ça. Il a plus de renfort, nous on arrive justement avec nos renforts, avec 500 soldats supplémentaires. Eux ils ont fait la bataille, ou pas. Oh non, il a son canon qui va nous faire feu dessus. Vous êtes frais vous? Non, vous êtes fatigué. État-major des généraux. Et vous là vous êtes fatigué aussi. État-major des généraux. Faut absolument réussir à détruire son. Oh c'est bon, ils sont épuisés ces canons. Je sais pas comment ça se fait, mais bon. Faut croire que ça se fait. État-major des généraux. Il y aurait beaucoup de morts quand même. Non, là il est en train de se replier. Vite. État-major des généraux, à vos ordres. En fait ces canons là ils font pas feu. Ah non ils bougent. Mais ils avancent pas vite hein.
ce qui nous embête, c'est qu'ils soient en hauteur. Venez toujours ici, messieurs. Si vous pouviez vous, dépêcher un petit peu. Oui, monsieur. Ça me ferait bien plaisir. Monsieur. En position, soldat. Si mon général pouvait avancer aussi. Les généraux, à vos ordres. Voilà. À vos ordres, bien reçu. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Compagnie en ligne, préparez-vous. Ne dites pas que son artillerie se met en place. Faut absolument réussir à la détruire avant. Je comprends pas pourquoi ils se mettent dans leur rouge. Ça n'a aucun sens. Là, qu'est-ce qu'il a? 49 soldats. Rien de bien méchant. Ils vont facilement être mis en déroute. Là, ils sont pas bien mis, voilà. Maintenant, on va les faire avancer tout petit à petit. Lancez des ordres. Vous avancez jusqu'ici, en marchant, bien sûr. Toi, viens ici, s'il te plaît, Michel. Parce qu'on va avoir besoin de toi. Non, passe pas par là. Comme ça. Ouais. Ça va, c'est bon. Oui, ils sont en hauteur, donc ils ont un léger avantage. Je dis bien léger, parce que c'est léger. Toi, tu viens ici. Non, je suis désolé de t'avoir fait bouger, Michel, mais tu vas revenir ici. Parce qu'ici, on débrouille très bien. Donc. Canon. Ça va, ça bouge toujours. Il faut absolument réussir à le neutraliser. Vous avancez jusqu'ici. En courant cette fois-ci parce que voilà. Vous arrêtez quand je vous le dis. Stop, on s'arrête. C'est bon, t'es bien sorti. Toi, tu continues. En position. On va gagner peut-être la bataille de Chypre, mesdames et messieurs. Lancez des ordres. Oui, monsieur. Oui, il a plus à avoir de munitions, lui. Sinon, il m'aurait déjà tiré dessus depuis 36 000 ans. Infanterie, au rapport. Ah, j'adore avoir des renforts, ça c'est toujours bien pratique. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Quoi? C'est une blague. C'est une blagounette. Vas-y, s'il te plaît, Michel, t'as encore 53 sur 95. Voilà, ça a fait une petite coupure. En fait, je viens seulement de me rendre compte que j'avais pas de place sur mon disque dur. Et je parlais dans le vent comme un autiste. J'avais pas remarqué que ce film est plus. Donc voilà. Voilà, donc là, c'est reparti, hein. Bien sûr, et vous avez sûrement raté des choses, en tout cas vous allez voir que j'ai engagé le combat. Je ne sais pas du tout quand ça s'est arrêté, mais j'ai engagé le combat, mes renforts sont arrivés. Tout va plus ou moins bien, on peut dire ça comme ça. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Tout le monde va en retraite et c'est la merde. Au début on est en train de gagner, puis on a perdu bêtement. Bon, je vais faire charger mon général, hein, la dernière charge, la charge héroïque. Charge héroïque du général. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Moi, j'ai interrompu de retraite, tout le monde va en retraite. Tu fais interrupteur de retraite ou quoi? Michel, vite. Mais j'ai dit interrupteur de retraite.
Oh là 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 là. On a perdu. C'est dommage parce que on avait peut-être une petite chance. Enfin, très infime, mais on aurait peut-être avoir une petite chance de gagner plus d'argent. Mais bon, Chypre a gagné. J'ai perdu une bataille. Une unité toute entière a péri, monsieur. Donc ça, c'était assez dommage. Défaite décisive, ouais, j'avoue, c'est dommage.